A new round has started. Alors ça, c'est quand même emmerdant. Donc là, il y a de l'Overwatch. Alors je pense qu'on va passer de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie? J'ai bien effectivement un tonneau qui est encore sur ce quai. Ok, c'est toi qui vas le chercher. Alors vous voyez, ça c'est des petites erreurs qui peuvent coûter cher parce que tout. Voilà, c'est que là j'ai pris, par exemple je vais reprendre des Overwatch, alors que j'aurais peut-être pu l'éviter tout à l'heure quoi. Pourquoi je peux pas? Alors on va se débarrasser de ce truc. Tout ça. C'est pas bon du tout. C'est pas du tout optimisé. C'est comme ça qu'on perd des persos, etc. Et donc là, je peux rien faire d'autre. Donc voilà, je vais encore me reprendre des tirs des archers qui sont là-haut. Donc là, on a dit. Bon, vraiment, je fais n'importe quoi. Allez, on va se ressaisir. Mon petit Spatz. Objective completed. Allez, tu remontes, toi. Donc toi, tu vas passer de ce côté-là. New objectives added. Objective completed. Ok. Donc ici on doit pouvoir poser un. Voilà. Objectives updated. Ok, c'est bien le repère ici et donc on doit poser nos éléments. On va quand même faire embuscade. Attention, il y a l'ogre qui doit être juste à gauche. Là. Toi. Toi, tu vas rester là. Ah, il faut quand même que je regarde s'il y a des tonneaux sur lui. Ah. Si l'ogre il est toujours là. Le tireur il est toujours là. Allez, on a dit qu'on l'avait passé par là, on va voir ce que ça donne. Bon, toi aussi, j'ai pas envie de prendre de risques avec toi, t'as déjà pris assez de dégâts comme ça. Bon, il va bien falloir que j'y aille quand même dans cette maison. Donc ça, j'avais dit. C'est des cas que j'aurais dû éviter. Ah, y a peut-être un renfort qui est arrivé là, non? Donc lui, c'est celui qui est là-haut, je crois. A new round has started. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Ah non, il y a trois archers là-haut, purée.
Vous voyez, ils sont 4 et c'est tout. Ça veut dire que si j'en tue un, je pense que c'est à partir de 3 que ça va chauffer. Ok, ok, ok. Donc toi, t'es pas bien non plus. Ok, l'Overwatch au moins est passé. Alors, je peux peut-être monter là, en fait, je suis en train de me dire. Vous voyez ici, il y a une passerelle. Donc on va peut-être essayer de nettoyer les mecs qui sont là-haut. Vous voyez, l'archi, il est là. L'escalier il donne sur l'ogre, donc si je m'approche il va me mettre un overwatch. Donc pour l'instant on va rester là, faut que j'attende. Qu'on soit en place et peut-être qu'on nettoie les mecs qui sont là-haut d'abord. Donc toi t'es bien. Ok, vous voyez. Est-ce que je monte? Toi, petite tresse, quoi, là? Ouais, ok. Je pense qu'on va monter ici. Ah non, je peux pas. Bah, comme ça, je le saurais, moi. Je pensais que j'avais une passerelle. À moins qu'on puisse sauter là-bas, hein, mais je pense pas, hein. Non. Ok, donc là on voit le chef là, son pote. Bon voilà, au moins on a tout vu. On peut pas passer là, non. Bon, bah il va falloir descendre et puis... et aller se battre. En fait, le mec qui était là, il a dû monter tout à l'heure. C'est ça qui a dû se passer, je pense. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on y aille, en fait. On n'a pas trop le choix. Alors, est-ce que t'as dû... tonneau. On va faire le tonneau déjà. Objectives updated. Donc on va se mettre ici en embuscade. S'il bouge, on ira le percuter. Donc toi, je sais plus ce que je voulais faire du coup. Bah, pas grand chose, donc on est là, on va. Pourquoi je peux pas piller le truc? On va faire ça, mais c'est pas très intéressant. Allez, il faut qu'on remonte parce que. Baston, il va y avoir. Ah oui, par contre, je voulais vérifier que j'avais ou pas. Et par exemple, il en a lui. Donc on va passer là. Non, on va
faire une petite embuscade ici aussi. J'ai dit que je prendrais plus de risques. Quand l'ogre sera engagé, on pourra éventuellement aller tirer, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Putain, ils me font mal ces tirs. Ah, il y en a un qui a sauté quelque part, hein. A new round has started. Donc on a dit qu'on pouvait pas aller là, donc il va falloir qu'on descende. L'ogre, il va jouer après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retarder. Si l'ogre se prend une embuscade, on engagera le fight. J'ai l'impression qu'il a pas bougé. Purée. T'as un tonneau, toi? Ouais. Non, il a pas bougé. Objectives updated. Bon, écoutez, on va être trop obligé de faire ça. Sauf que j'aurais bien fait avec quelqu'un d'autre, ça. Le problème, c'est que je peux pas atteindre l'escalier, hein, sans le... Donc, ce que je vais faire, c'est venir ici, plutôt... voir si ça donne quelque chose. De toute façon, il attaquera plus là. C'est ça le problème. Ou alors, je change d'arme avec lui. On va voir ce qu'on a. Donc, je reprends ma pastille. Tu veux pas que je reprenne ma pastille? Ah mais non, mais j'ai... effectivement retardé, donc j'ai consommé déjà. En plus il tire vachement bien. Voilà, on va y aller tranquille, hein. Bon, on va faire une petite perception du coup. Toi, t'es pas en forme. Alors du coup, je vais te remettre derrière pour l'instant. Putain, ça fait trois fois que je dis qu'il faut que je regarde s'il a un tonneau sur lui. Lui, il en a un. Ouais, vraiment, falloir que j'y aille. Je crois que prochain coup, faut que j'y aille. Ah, et lui, il a deux tonneaux. Ok. Donc lui, il a dû descendre des escaliers. A new round has started. Ouais.
partir de maintenant, le risque, c'est qu'effectivement, il y a des renforts. Hein. Dès que je vais tomber ce mec-là. Aïe, 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 ça y est, il s'est déplacé. Et il est en embuscade en plus. Donc toi, t'as quoi? T'as un tonneau. T'es pas en forme. Donc on va te laisser ici. Tu couvres les arrières. Donc toi, tu vas monter, je pense. Voilà, tu vas venir ici pour tuer ce mec. Voilà. Ça, c'est nickel. Est-ce que je peux looter ce mec? On va prendre ça. On a dit quoi au niveau de tes PV? 100. Test de peur. Ah ouais, putain, il teste de peur là-dessus. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut envoyer tout ce qu'on a sur l'ogre. Donc toi, t'es bien. On fera les tonneaux après, hein, je pense. Heureusement, il m'a raté. Allez, on fait pas beaucoup de dégâts en plus contre ce machin. Et lui, par contre, cogne comme une brute épaisse. Ça va être chaud. Je vous le dis, ça va être chaud. Alors, toi, j'aurais bien que tu tires. Mais mon problème, c'est les Overwatch après. En étant là, je sais pas ce que ça va donner. Donc on va essayer de se mettre ici. Je risque d'être vu ou pas? On va plutôt se mettre là, je pense. Ça sert à rien. Allez, fin du tour. Alors toi, j'ai absolument besoin de toi à la baston. Et j'espère qu'il reste une place quelque part. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Allez. Donc, on va prendre la place ici. Si on peut. Alors j'ai raté mon test, donc vous voyez, les attaques chutent, hein, le pourcentage de réussite c'est 51%. Alors lui, il fait pas de test d'isolement, je pense. On va venir ici. C'est bien dommage. Le problème, c'est que ce capitaine, il va me shooter en plus de là-haut. Ouais, il faudrait que j'envoie quelqu'un sur le dos. A new round has started. Est-ce qu'il me reste? Je pense qu'il me reste une petite place là, non? Ouais. Allez, allez, il faut vraiment qu'on descende. Allez, file champ. Ok,
qui lui reste 130 PV. On peut peut-être l'avoir à ce tour-là. Encore une attaque. Allez, tu touches, tu tues. Ça, c'est vraiment nickel. Objective completed. Ok, je crois qu'il va falloir que tu montes. Le but maintenant, ça va être de choper... Il y a un mec ici. Mais moi, je veux choper le capitaine. Je veux choper le capitaine. Donc, il est... Il serait là ou là-haut? Je pense qu'il est par ici. Non, il est là-haut. Il est au-dessus, merde. Voilà, au moins il tirera plus sur mes gars en bas. Alors, toi, t'as de la place, on va regarder ce qu'il y a sur le... Par contre, t'es aux fraises, tu vas te barrer de là, toi. En fait, tu vas te mettre, je sais pas où, en dessous, là. C'est ça qu'il y a le mec qui est là. Toi, tu vas y aller au mec qui est là. Donc, toi, t'es pas en forme. On va quand même essayer de se gérer. T'as un tonneau ou pas? Ouais, t'as un tonneau. Donc tu vas monter en fait. On va commencer à en mettre des tonneaux. Objectives updated. Alors j'ai pas fait le point sur les objectifs, on en est où? Bah il faut que je place 6 tonneaux. Ok, j'en ai plus de toute façon normalement. Non. Alors, il y a du tonneau. Est-ce qu'il y a du trésor aussi par là? On va aller chercher ça. On va récupérer les amulettes télé. Ah, attendez. On va prendre ça. L'arc, je peux pas l'utiliser de toute façon. Ouais. C'est toujours sympa d'avoir ça. Ok. Alors, on va dégager d'ici. On va peut-être monter d'ailleurs. Alors il reste un trésor ici. Je vais voir ce qu'il y a dedans en fait. Boue collante. Non. On laisse tomber. Alors ça donne quoi au niveau des ennemis là? Bah c'est tout en fait. On a les deux mecs qui sont là. Alors est-ce qu'il y a des renforts qui sont apparus? J'en sais rien pour l'instant. Bon, de toute façon, tu vas rester là. Donc, toi... Ok, tu vas venir là et tu vas tirer ce mec. Toi, t'es encore sur ton test de peur en fait de tout à l'heure. Alors t'as un tonneau. Donc tu vas aller aider. En tout cas essayer. Si je peux. Attendez, il y a une petite place là. Vous plaisantez les mecs. Bon ok, je monte. Objectives updated. Je l'ai fait le coffre qu'elle a, oui. Donc ici il n'y a rien. Il me reste une place, mais on va aller chercher, on va monter en fait. Donc
Ici c'est un autre tonneau. Ici aussi, ouais. Donc les loot éventuellement, je pourrais aller chercher les boues collantes là-bas. Alors toi tu vas... Alors t'as des tonneaux, donc il va falloir que tu montes. On va le faire tout de suite. Ici je pense qu'on en a encore. Objectives updated. Objectives updated. Eh ben, on va faire fin de tour. Alors, il en reste 3 des positions de... C'est qui ça, hein? Ouais, attention, faut pas que Filch meure, hein. J'oublie pas ce vidéo. J'ai légèrement oublié ce détail. A new round has started. Alors. Ok, il y a un mec qui est arrivé ici en fait. Tout nouveau. C'est un peu vache hein, les entrées là. Donc toi. Ok, il va se prendre un Overwatch mon mec. Qu'est-ce que t'as sur toi? T'as des tonneaux. Pas bien lui. Non, il n'y a pas de tonneau ici à placer. Hein. Ah, il y en a un là, je pense. Bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai besoin que tu sois safe. Je suis pas sûr que ce soit la bonne position, parce que si, si ça repop comme ça n'importe où... Allez, un crit stun, ce serait vraiment pratique, ça me rassurerait. Bah, il suffit de demander, dites donc. Rien d'intéressant. Ok, le mec est juste en dessous. Alors on pourrait peut-être sauter en fait. Hein. De toute façon on a pris l'Overwatch. Filch, tu me déçois profondément. On va y aller au contact. Alors toi, qu'est-ce que t'as? T'en as plus. Donc on va venir ici. Là, il pourra plus se reculer dans tous les cas. Tu vas descendre. Est-ce que tu peux te glisser là? Oui. Ah, c'est ici qu'il faut que je pose un tonneau en fait. Alors on a dit qu'il en manquait combien? Toi, tu vas venir ici. Je veux que tu protèges mon mec. Donc tu recharges.
plus, on est d'accord. Ok, donc là on est bon. J'ai rien, donc on va redescendre. Et ici aussi un tonneau, putain. J'ai quand même pas optimisé mes déplacements, hein, soyons clairs. Est-ce que je peux passer de l'autre côté de ce mec? Ouais, je peux. Ouais, dommage. Alors j'aurais pas de posture. Alors toi on a dit. Non, t'as plus rien. Donc tu descends. Et tu vas essayer de tirer. Sur qui de droit? Alors lui il est mort. J'aurais dû recharger depuis longtemps en fait. Il reste, il réussit son test. Ok, faut vraiment absolument que j'en finisse avec. Ok. Ok, ok. Donc ça. Putain, il arrive de là en plus le mec. A new round has started. C'est un peu gonflé que ça arrive comme ça. Hein. Bon. Donc ouais, toi t'as 3 tonneaux. Alors est-ce que tu peux mettre celui-là déjà? Non, celui-là je pourrais pas, je pense. Attends, on va recommencer. On doit pouvoir faire mieux que ça en déplacement. Toc. Donc ici, il y en a un. Bigleu ou quoi? Pourquoi je peux pas? Ah si. Objectives updated. Donc, je vais être obligé de remonter tout là-haut et de redescendre pour placer le suivant, je pense. Donc c'est pas grave, on va faire ça. Donc on a dit, je crois que c'est tout là-haut. Voilà, ici. Et ce sera encore pour le prochain round. Alors, Flich. Full. Alors on va pas faire ça, on va faire 2 attaques plutôt. Vous voyez le genre de tueur que c'est, hein, mon petit Flinch. Encore un qui arrive. Ils arrivent vraiment de près. Et mon embuscade là, ça veut dire quoi ce bordel? Donc toi, bah, tu vas y aller là-bas. On va essayer de se placer ici. Toi, tu te dégages de là. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir si on peut. Alors, non. Si quand même, faut qu'on regarde. Non, c'est bon. Donc il y a un mec qui serait juste là encore.
vais garder ma posture d'esquive, on sait jamais. C'est ballot. Donc on va se mettre en embuscade ici. Je veux pas que mon globadier soit en danger. Déjà, on va recharger. Je peux pas tirer là. Allez, allez, purée. Faut absolument que je place mes deux derniers tonneaux là. Alors pour l'instant personne n'est tombé je crois chez moi. Par contre, est-ce que j'ai eu des critiques? C'est possible aussi. Hein. Donc, A new round has started. Vous voyez, les renforts ennemis sont arrivés. Allez. Objectives updated. On va finir ça comme ça, je pense. C'est ça, il nous en reste plus qu'un, donc on redescend. Je pense qu'on devrait avoir le mouvement avec le jeu des pastilles. Hein. Sans problème même. T'as quoi? On va... Non, on s'en fout. Donc on va juste mettre le baril et on va terminer ce truc. Objective completed. Voilà. Bon, bah c'était la première, l'acte 1, scène 1. Donc là, ça fait pas mal d'expérience. J'ai aussi un peu de malpierre. Ça va être sympa. Donc j'espère que j'ai pas eu de critique et donc pas de problème. Outstanding. Donc passe niveau 3, c'est génial. Il est bien avancé le niveau 2, ce tank. Bah, tout le monde en profite, hein, ça c'est clair. The gods are with you. Lui il passe niveau 2. Lui reste niveau 1 encore, il est en retard, c'est un des derniers que j'ai acheté. Fantastic. Alors lui il va essayer de rattraper son retard. Ah, dommage, dommage, dommage qu'il soit pas passé lui. Donc la bande est niveau 2, donc on a encore 2 jours, on est bien. Hein. On est très bien pour l'instant. J'ai fait un peu le ménage, peut-être que j'ai eu... En regardant à posteriori je me suis dit que j'ai peut-être eu tort de le virer mon champion, mais bon on est reparti, c'est pas grave. Donc j'ai de l'argent. Donc on va faire les montées. Donc l'intelligence c'est bon. Donc maintenant il fallait que j'ai 9 en intelligence pour la connaissance tactique. Donc on va prendre le commandement ici. Là la capacité de combat. Donc mon tank il a 7 en force, 3 en endurance. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'on va aller chercher l'endurance maintenant. On a besoin d'augmenter les PV. Capacité de vie. La force est bien. On est à 2 points de passer à une case supplémentaire. Mais bon, c'est quand même pas le plus important. Le plus important, c'est quand même la survie. Hein. Donc, toi, qu'est-ce que je fais? On va te mettre de l'agilité. On va te mettre de l'intelligence. Donc toi, on va faire pareil, on va faire endurance, capacité de combat. Alors lui, il fait carrément une montée partout, donc agilité, intelligence, capacité de combat. Alors toi, force, on va quand même te mettre un point de force pour avoir une case supplémentaire. Alors je sais plus ce qu'il doit avoir lui. On va lui monter l'intelligence. Ok, je crois qu'on a tout fait.
Alors maintenant, on va regarder un peu les équipements. Donc là, j'avais quoi? Chance de réussir les tests d'isolement. C'est quoi ça? Résistance à l'étourdissement. Moins 10. Change de perception. Moins 15. Donc c'est quand même pas mal, hein. Mais bon, le chance de réussir les tests d'isolement, c'est quand même plus important pour lui. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Je pense pas avoir récupéré d'armes ni de tenue. Donc on enchaîne. Donc toi, t'es niveau 2. Alors toi, je vais te mettre un casque. Tu seras le premier à en avoir un. Sinon, j'ai rien récupéré d'autre. Donc on passe. On va lui mettre ça, même si c'est pas hyper intéressant. On en a déjà une, c'est bien ce qui me semblait. Bon, bah écoutez, c'est tout. Ah, c'est à lui que je pourrais peut-être donner un truc. Bon, on verra plus tard. Ok. Donc parfois je couperai les épisodes effectivement quand c'est trop long. Donc vous voyez là tout le monde a des points. Alors le problème des compétences, hein, il y en a plein qui m'intéressent. Que ce soit en active ou en passive. Donc par exemple ici j'ai, je sais jamais où ça se trouve, évitement. Mais 1 ça coûte 300 PO et 2 ça nécessite 2 jours de stand-by. Et ça veut dire que comme là c'est mon champion, il peut pas jouer pendant 2 jours. Donc je vais attendre un peu quand même d'en avoir plusieurs qui puissent monter. Et peut-être que je ferai une pause de 2 jours dans la bande pour effectivement y arriver. Alors c'est pareil, il y a connaissance tactique. Alors ça vaut que 100 par contre. Vous voyez, le premier niveau, ça me permet d'augmenter mes esquives ou mes parades de 5%. Et le niveau 2 nécessite 9 en intelligence que j'ai. Et permettra d'augmenter les esquives et les parades de 15%, ce qui est quand même juste énorme. Donc voilà, sachant qu'on est pour l'instant à 60 d'esquives, avec le deuxième niveau on passera à 75. Donc l'idée c'est d'atteindre 100% et même plus que 100%, parce qu'il y a des compétences ou des armes qui peuvent éventuellement réduire votre esquive. Parce qu'on pourrait se dire 100% d'esquive, ça veut dire qu'on n'est jamais touché. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des compétences, des sorts, tout ça permet de réduire les choses. Bon. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, et je vous dis à très vite pour la suite.